Bonjour à tous, c'est Jojo. On se retrouve pour le dernier épisode de la saison 1, l'épisode 10 sur Civilization 5. Alors c'est parti. Non, le précédent épisode qui était un peu court ma foi, hein, je tiens à m'excuser un peu pour la rapidité de cet épisode, c'est parce que j'étais un petit peu pressé, voilà, il faut le dire. Donc cet épisode-là sera un tout petit peu plus long, mais ça sera le dernier de l'épisode, enfin de la petite saison 1. Je continuerai par la suite, en espérant qu'il y aura plus de personnes qui regarderont. Voilà, pour le moment c'est pas trop le cas, donc je vais m'arrêter et je vais me lancer sur un autre jeu, sur une nouvelle série, qui aura totalement rien à voir avec ce que je fais actuellement. Voilà. Donc, on continue tranquillement à essayer de faire des... décidément des merveilles, mais ça fonctionne pas. Hein. Ça ne fonctionne toujours pas. Je m'excuse pour le téléphone qui sonne derrière moi. Hein. Malheureusement, je suis dans une chambre un peu compliquée, c'est-à-dire que je n'ai pas de réelle porte. Voilà. Donc je raconte un peu ma vie dans cette vidéo, mais c'est juste pour expliquer que vous pouvez entendre la télé, le téléphone, les parents qui crient, etc. Bah c'est normal, c'est parce que j'ai pas une réelle porte, c'est des portes un peu coulissantes, et donc du coup c'est pas... voilà, c'est pas de réelle porte. Voilà. Donc, comme la dernière fois, Athènes crie toujours famine, je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de perdre Dormus, il y a eu des... bon bah voilà, il y a eu des accords machin à prix fin concernant les Celtes. J'ai des informations. Et j'ai un espion. Et bah je sais pas comment ça fonctionne. Alors l'espion peut utiliser en attaque en défense pour donner. Je suis le peuple le moins bédonnant au monde, c'est-à-dire celui qui a moins de nourriture. Hein. Je suis à moins 0,6, c'est trop cool. Donc je disais, entre espion vieux et grand espion, donc on va essayer de s'en servir. De l'espion, je crois que c'est lui. Non, du tout, c'est pas lui. Bon bah, je vais essayer de trouver un espion. Ou alors d'en créer un, s'il y a possibilité, je sais pas comment ça se passe. Mais bah, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, on va s'atteler à faire, pas un colisée de suite, mais un ouvrier. Pour essayer de faire plus de fermes, car comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait ça. Avec Gustave Caillebot, on va aller à Argost. Voir si on peut faire quelque chose. Et Elena... ah, d'accord. J'ai des informations. Travaille désormais comme espion. Donc, bon, bah, on peut utiliser des espions. Je pense qu'on peut espionner un peu tout et n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc, par exemple, si je veux espionner Dublin, je sais pas si... comment ça se passe. Donc, faut voir comment potentiel les technologies peuvent pas être violées. Si t'es... ah, bah, c'est nul, ça. Alors, déplacer l'espion. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Je peux le déplacer. Voilà. Je signe une ville pour que Elena s'y installe et commence ses opérations. On va une espion d'une capitale adverse pour pouvoir le nommer diplomate. Voilà. Donc je vais le déplacer justement à Édimbourg pour qu'il devienne un diplomate. Voilà. Donc dans la capitale, les Américains n'êtes pas en guerre. Bon, voilà, je... d'accord, un diplomate si ne t'entend pas de la technologie d'intervention, on va toujours au sort. Là, 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 désolé, je suis entraîneur puisque je ne connais pas du tout. Ok, on va essayer d'être diplomate. Donc, comment ça se passe? Il va essayer d'être diplomate à Edimbourg. Si ça fonctionne, je vais récupérer peut-être, possibilité que je récupère des points de tourisme. En cas de guerre, mon espion, il s'enfuit. Il revient directement chez moi. Voilà. Après, est-ce qu'il peut être tué? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça se passe tout ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir découvrir. Donc, il y a un petit nouveau camp barbare. Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se le faire directement. On va s'amuser un petit peu. On est là pour jouer, pour s'amuser. Donc, on va se le faire. On va prendre des spadassins et des cavaliers. Des chevaliers, pardon. Donc, on va y aller. Tout simplement. Désolé pour ces petits bruits de chaise. J'essaie de bien m'installer. Voilà, c'est fait. Je vais lancer immédiatement en âge d'or car je suis vraiment un peu dans le caca. Donc voilà, au moins j'ai un âge d'or. J'ai un succès déverrouillé, plus de pièces. Cool, je sais pas pourquoi j'ai déverrouillé ce succès, mais bon, ça sera le... voilà, voilà comment on va l'appeler, ça sera le succès. Ça sera le succès. Donc, bon bah cool. Âge d'or, bon, il dure 8 tours. Athènes, ils ont toujours faim. Je sais toujours pas comment je peux faire pour qu'ils aient plus faim. Pourtant, j'essaie de construire des bâtiments. Là, je vais construire un grenier. Je pensais l'avoir déjà fait. Ah non, mais je suis pas au même endroit. Pardon.
Je pense que c'était pour Corinthe là, ouais. Et je sais pas s'il y a moyen d'envoyer des ressources en fait. Donc je vais essayer de voir. Mais ça, je ne sais pas en fait. Parce qu'il y a des choses que bah, je faisais pas trop gaffe quand je faisais mes parties. Et surtout, j'ai pas toutes les extensions, donc c'était pas du tout pareil. Donc voilà. Donc Argos, le grenier est terminé, on va lui faire la forge. Hein. On suit un peu les conseillers. Est-ce qu'il y a possibilité que je fasse quelque chose? Alors, je peux modifier des constructions, donc bâtiment de spécialité, personne. Donc là, c'est tous les persos qui peuvent apparaître en fait un certain nombre de temps. Comme vous pouvez voir, artistes, marchands, écrivains. Ça, c'est les bâtiments spéciaux que j'ai créés. Donc un marché, guilde des écrivains, guilde des artistes. Les merveilles que j'ai à cette heure-ci. Le seul chef-d'œuvre qui était dans l'épisode précédent. Et les bâtiments que j'ai construits. Voilà. Alors, en termes de nourriture, je suis à moins 4, comme vous pouvez le voir. Donc, comment améliorer la nourriture? Eh ben, je ne sais pas. Je sais pas du tout comment je peux améliorer ça. Je sais que je peux acheter des cases en plus, comme vous pouvez le voir. Hein. Ça a toujours été le cas. Donc je vais rajouter une petite case, mais c'est tout. Je sais pas du tout ce que je peux faire de plus. Donc c'est pour ça que je suis en train de recréer un ouvrier pour essayer de lui faire faire des fermes supplémentaires. Parce que là, il atteint une crise famine, ils ont faim et ça va pas le faire. Donc on va s'attaquer tout de suite à ce camp barbare. Voilà. On se prend pas la tête. Tout simplement. Et on va ramener les spadassins ici. Au cas où s'ils venaient à mourir. Hein. Et comme je peux pas attaquer deux fois, je les mets à se soigner pour ce tour-ci. Je peux établir maintenant des routes commerciales. Ah, ça c'est bien ça. Je peux établir des routes commerciales en fait entre mes villes. Donc chose qui je pouvais pas faire. Et je vais le faire avec Athènes. Comme ça, ils auront de la nourriture. Donc voilà ce que je pouvais faire, la petite nouveauté que je viens de découvrir. Hein. C'est ma nouveauté à moi. Comme vous pouvez le voir, l'ouvrier fait toujours une route de Prague qui est très très longue jusqu'à Argos. Hein. Ça fait depuis l'épisode 7 qu'il s'y attelle. Hein. C'est pour dire que c'est vachement long. Et on va se faire une petite ferme ici au prochain tour. Athènes a fini l'ouvrier hein, que je viens de déplacer. Et on va se faire l'Alhambra. Voilà, parce que j'aime bien les merveilles. Et bon, au pire des cas, si je gagne comme ça sera pas. Oh, ça sera bien. Mais bon, bah, on va essayer de faire, comme je l'ai dit, une victoire militaire La au tout chose la début. plus importante au monde n'est Donc pas j'ai de savoir. découvert la boussole. Action commandée, fais-moi une ferme, on a besoin de nourriture. En technologie, je vais apprendre tout de suite la physique. Comme ça, pour avoir de la poudre à canon. Ça va, je vais commencer à avoir des armes un peu d'aujourd'hui, hein, actuellement. Je vais ramener mes spadassins dès que je peux sur le terrain. Donc ici de préférence parce que hein, je peux me faire attaquer, me faire couler mes gars. Je continue à les attaquer avec mes chevaliers. Il y en a un seul qui est tombé de leur côté. Ouais, j'ai une toute petite victoire. Hein. Je vais peut-être appeler du renfort. Voilà. Ça peut servir. Et toujours les mettre à soigner. Et du coup, rappeler en fait des piquets à l'autre ville, au cas où s'il mourrait en fait, tout simplement. Donc, je passe le tour, hein, toujours, hein, parce que c'est un jeu qui se joue tour par tour, haha, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Et on va essayer d'avoir un peu de nourriture, on a besoin de nourriture, la population de Prague a augmenté, c'est super cool, mais Athènes a faim. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont en bateau aussi, impasse, donc on veut pas d'impasse, on va sortir de là. On va pas les attaquer pour l'instant parce que les piquets pourraient les attaquer, me piquer justement mon camp barbare. On va essayer de le prendre sans qu'il. Voilà, il va les attaquer. C'est bien ce que je me disais. Et il va les affaiblir. Et bah voilà. On s'est piqué un camp barbare. Je suis déçu. Voilà, un peu dégoûté parce que c'est moi qui aurais voulu le prendre. Mais c'est eux qui l'ont pris. C'est pas grave. C'est pas très très grave. Car on va rentrer à la maison, c'est pas grave. On retourne à la maison. C'est une bataille, on va dire, perdue, du coup, hein, bien entendu, puisqu'on l'a pas éradiqué nous-mêmes. Chose que je voulais faire. Et on se rend compte que mon espion, je pense, est devenu diplomate. Alors qu'est-ce qui se passe quand il devient diplomate? Je peux le voir. Voilà, il est ici. Je peux acheter une case. Je peux voir ce qui. Non, je peux rien faire. Je vois ce qu'ils ont en fait.
Donc ils ont voilà les merveilles qu'ils ont construites, les bâtiments, les chefs-d'œuvre, etc. Et qu'est-ce que je peux faire? Enfin, pour l'instant, il soigne. Son activité, c'est de soigner les relations. Donc, bon, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne sais pas si je pourrais faire par la suite. J'ai assez de foi pour racheter une unité ou un bâtiment. Je vais garder ma foi pour l'instant. Parce que la foi, hein, c'est par le petit oiseau ou le petit Twitter. Hein, parce qu'il ressemble un peu à Twitter, mais en blanc avec un petit truc vert. Mais bon, moi, je l'appelle la foi. C'est la foi. Donc nous sommes en 1480 après Jésus-Christ, on va commencer. Ah non, la poudre à canon, c'est pas tout de suite en fait. C'est-à-dire que j'ai dit on va arriver à aujourd'hui, mais non. La vérité, c'est qu'on va arriver à la première, deuxième guerre mondiale. C'est pas tout de suite. C'est là où il y aura les premiers fusils. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir les mitraillettes, les AK-47 ou les M4 d'aujourd'hui. Non, non, ils auront les gros fusils à baïonnette où vous tirez un coup et vous rechargez pendant un quart d'heure, quoi. Voilà. C'est exactement ce type d'arme qu'il y aura au tout début. Ce qui est logique. Voilà. Donc je peux piller, je pense, des caisses qui ne sont pas moi comme ceci, mais ça ne servirait à rien. Donc je ne vais pas piller du tout. Je vais les ramener gentiment dans ma ville. Hein. Je tiens encore à m'excuser parce que c'est le bordel chez moi, comme vous pouvez l'entendre, avec le téléphone, les parents et tout qui crient. Bon bah voilà, ce sont les aléas du direct, hein, si je puis me permettre. Donc je suis désolé, je m'excuse encore une fois. Et une fois, bah voilà, l'ouvrier a construit la ferme. Je sais plus du tout ce que je vais lui faire faire. Je peux, voilà, je vais aller lui faire refaire une ferme à côté, tout simplement. Et je perds de l'argent. Mon peuple est pas content, je perds de l'argent. Je fais de merveilles comme ceci. Ici, c'est pour faire un bateau pour qu'il explore les fonds marins, c'est-à-dire les fonds marins, les eaux profondes. Voilà. Mes chevaliers sont complètement rétablis. On les ramène à la base. Je fais une forge qui finira dans 8 tours. Mes spadassins rentrent à la base. Et de ce côté-ci, je fais un marché pour gagner un peu plus de thunes. Je peux encore faire deux routes commerciales. Hein, parce que je suis à 3 sur 5, que ce soit en fait, je pense, les routes commerciales, à mon avis, ça doit cumuler les routes commerciales navales et terrestres. Donc les cavaliers que vous voyez courir un peu partout là, je sais pas si je peux en choper un. Donc voilà, ça c'est naval qui vient de rentrer au port, le navire marchand là, qui me propose, et là c'est terrestre. Donc je rétablis toujours une route commerciale. Maintenant je peux changer, comme vous pouvez le voir, j'ai le choix entre ma ville. Corinne, donc pour avoir de la nourriture. Cardiff qui me donne 8 tours par tour, il y a plus de pression, 4 heures par tour, hein, science machin machin. Antananarivo qui est un peu plus loin, qui me donne 8 heures plus 2. Mombasa 7 plus 2, qui était ma route précédente, ou Zanzibar 8 plus 2. Je vais faire Antananarivo pour l'instant. Car je rappelle que je vais les attaquer par la suite. Pour l'instant, je reste tout doux. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment dans la saison 2 où je vais commencer à faire quelque chose. Pour l'instant, je reste vraiment tout doux pour justement voilà, préparer mon armée, c'est de que tout le monde va bien, c'est-à-dire qu'Athènes mange, que tout le monde soit content, ce qui n'est pas le cas. J'ai trois personnes, j'ai moins 3 mais comment dire, excusez-moi, en bonheur, voilà, merci, hein, voilà. Et j'accumule 0 de pièces. Ah, et c'est pas cool d'accumuler rien, de rien accumuler du tout, ce n'est pas cool. Donc, je fais mon phare hein, sur Prague. Donc, le but, voilà, c'est essayer de remonter un peu économiquement, essayer de rattraper les autres, parce qu'économiquement, je suis vachement en retard. En termes de nourriture, je suis en retard, en termes d'âge, je suis un peu en retard. Donc, je vais essayer de, voilà, d'avancer un peu tout cela. Bon après par contre concernant la saison 2, je sais pas du tout comment ça va se passer, c'est-à-dire je sais pas si je vais avancer un peu dans le jeu et puis vous montrer une autre partie de la saison 2, c'est-à-dire si j'ai découvert d'autres gens, etc., d'autres civilisations et vous faire un résumé, ou si je reste justement au même endroit et je continuais exactement au même endroit. Donc, je vous invite à me donner votre avis sur les commentaires, voilà, pour savoir je pourrais faire par la suite, car je ne sais pas du tout. J'hésite. Donc, bah voilà, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me le faire partager.
Je serai tout ouïe. Voilà. Bon, bah pour cet épisode, on n'a pas fait grand-chose non plus. Hein. C'était un peu. Voilà, j'essaie toujours, tant bien que mal, d'avoir un peu de nourriture. Je vais aller chez Zanzibar parce qu'il me faut vraiment des pièces. Hein. J'ai pas trop le choix. Et avec une caravelle, je fais des allers-retours entre Sparte et Athènes pour avoir de la nourriture. C'est pour ça que je suis en positif. Mais il n'y a rien, il n'y a pas écrit parce qu'il n'y a pas assez pour. Enfin, il y a juste en fait assez pour tout le monde. Voilà. Pour Corinthe, j'ai fini mon bateau. Donc je vais me faire un port. Tout simplement. Ça aura un peu de bonheur. Et où est mon bateau? Il est là. En fait, mon bateau, je sais pas. Ah non, il peut même pas aller aux eaux profondes. Je pensais. Bon bah, je vais l'avancer un peu ici. Je pensais qu'il pouvait aller dans les eaux profondes, celui-là. C'est pour ça que je l'avais fait exprès. Mais c'est juste un bateau plus puissant. Voilà. Donc, je me suis trompé, hein. Ça arrive à tout le monde. Tout simplement. Et voilà, j'ai découvert Mesure ce qui est physique. mesurable et rend mesurable Voilà. ce qui ne peut l'être. Donc, je pourrais faire Notre-Dame et un trébuchet. Donc, améliorer mes catapultes en trébuchet ou faire un trébuchet. Donc, non, je ne peux vraiment pas aller dans les eaux profondes. Chose que je pensais. Mais ce n'est pas le cas. Je vais continuer mes constructions, mes dernières constructions, avant de vous quitter sur cette saison 1, qui sera un amphithéâtre. Et ma nouvelle technologie, ça sera l'éducation. Voilà. On va se quitter sur ce dernier tour. C'était l'épisode 10 de la saison 1. Il y aura une prochaine saison. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, suivez-nous, soutenez-nous. Merci en tout cas, je le redis encore une fois, merci pour les 70 abonnés aussi rapidement. C'est quelque chose de très fort et on est très très content qu'on a fait quand même 70 personnes en si peu de temps. Voilà. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi pour cette première saison. On va se retrouver très très vite sur un autre jeu pour une nouvelle série. Et on va se quitter sur le suspense du barbare. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je ne touche plus à rien. Je vous souhaite à tous une agréable journée ou soirée ou nuit ou bonne matinée, je ne sais pas. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao, c'était Jojo.